Bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette rencontre euh, avec l'IAO-IU, que nous remercions d'ores et déjà pour ce formidable moment de, de partage qu'il a su réaliser avec euh, cet instrument. C'est d'autant plus euh, touchant pour nous et pour ses lecteurs que cet instrument est l'instrument qu'il. Utilisa quand il sortit de, de quatre années d'emprisonnement et de torture hein, pour reprendre goût à, à la vie parmi les, les SDF et euh, sa planche branlante, comme vous l'avez traduit, Marie Holtzmann, sinologue et traductrice de l'IAU. Hein, sa planche branlante, c'est-à-dire les écrits et les témoignages qu'il a rassemblés et qui, euh, nous donne l'occasion aujourd'hui euh, de faire cette rencontre. Alors cette rencontre s'inscrit dans un partenariat des lettres du monde et des tribunes de la presse. Et euh, au nom de la librairie Mola, je vous souhaite la bienvenue et nous sommes très heureux de, de vous accueillir ici. Donc euh, You, euh, euh, deux ouvrages aux éditions Globe euh, sont ont paru euh, récemment euh, un premier ouvrage qui s'appelle Des balles et de l'opium, et un autre ouvrage qui a paru en France mais qui est réédité aux éditions Globe, dans l'Empire des, des Ténèbres. Euh, Pouvez-vous nous dire, nous rappeler euh, à quel moment et quels sont euh, les... Les, les, les finalités. Pourquoi avez-vous voulu, voulu, à un moment, euh, apporter ces, ces deux types de témoignages, puisque des balles et de l'opium parlent de d'autres dissidents que vous-même, et dans l'empire des ténèbres, et davantage votre témoignage. Euh, 我发觉中国已经完全变了，不是不是天安门大屠杀发生的那个时候，那个时候那个时候几乎所有的中国人，都希望就是渴望民主自由。然后我发觉我出监狱之后，就一切世界完全变了，就是自己有一种恐惧，恐惧就是说很快就会被人遗忘，因为那个时候全中国人民好像都是。 去挣钱去了，就是钱就成为中国人的宗教。然，我当时就觉得，如果是不把他不把我坐牢的经历写出来的话，我这个人最后就就就会在这个世界上消失，就说什么都留不下。然后我就提起笔来写这个黑暗帝国，写了一次，然后写了一年多，警察就把这个这个。

Tout le monde pensait à la démocratie, à la liberté. Euh, il soufflait un vent d'enthousiasme et d'idéalisme. Et quand je suis sorti de ces prisons, euh, tout le monde pensait à gagner de l'argent et euh, tout le reste était oublié. Et donc, euh, je me suis ressent, je me suis senti extrêmement désemparé, désorienté. Je dirais même que j'ai été saisi d'angoisse. J'ai eu l'impression que si je ne me ne pressais pas de noter mon expérience, de raconter tout ce qui m'était arrivé, eh bien, non seulement tout cela serait oublié, mais, mais moi-même je serais oubliée. Je, je ne représenterais représenterai plus rien du tout. C'est pour ça que je me suis mise à écrire ce premier livre, qui est un livre de témoignage personnel. Euh, la police a eu vent de mon effort d'écriture, et donc ils sont venus chez moi pour confisquer ce manuscrit une première fois. Après deux mois de dépression, euh, j'ai repris l'écriture, j'ai écrit une deuxième fois. C'était le deuxième manuscrit. Et au bout de la fin, ou à peu près de la fin du deuxième manuscrit, la police est venue et ils ont confisqué une deuxième fois mes quelques centaines de pages d'écriture. À la troisième occasion, puisque je me suis remise au travail, il y avait l'ordinateur et les clés USB.

那个老是觉得就写了一稿，然后就重新写，重新写虽然非常吃力，但是就是老是担心，就是许许多许多的事情已经被忘记了，这，但是啊，就说我当时，因为因为这个老和尚教我吹箫的原因，就是老是觉得就是就就觉得就是就就看到那个老和尚。 那个老和尚就是觉得，我觉得这辈子再再也见不着他了，再也见不着他了。然然后，很多关于他的他的那个回忆，包括他说的一些话，就是说这个世界就是所有的人都在做一个没有墙的监狱，我们只是在做有墙的监狱。如果是他说这有什么区别？只是一个圈子大和圈子小的这么一个差别。 他说：“他他说，那么这个，那么这个人生，如果你内心不自由的话，你在哪儿都是都是在坐牢。”直到很多年之后，我还记得他这这,这句话，这些话。Uh, quand j'étais en prison, j'ai commencé à écrire、uh, parce que j'avais beaucoup d'anecdotes à raconter et donc j'écrivais tout petit, tout petit comme des fourmis.、Uh, pour pouvoir mettre le plus de choses possible sur une page, mais aussi parce que j'avais peur que quelqu'un vienne et découvre ces papiers. Donc j'ai raconté beaucoup, beaucoup d'anecdotes comme ça. Et, euh, et toujours en prison, j'ai appris à jouer de la flûte avec ce vieux moine qui m'a enseigné, qui avait déjà plus de 80 ans. Euh, et j'ai aussi voulu garder son souvenir. Maintenant, il est certainement décédé mais je n'ai plus de nouvelles de lui après sa sortie. Et surtout, je veux garder le souvenir de la morale qu'il m'a transmise. Parce qu'il me disait, tu vois, maintenant, nous sommes dans une prison où on voit les murs, mais une fois que tu seras sorti, tu seras dans une prison où on ne voit pas les murs. Parce que l'essentiel, c'est de sentir la liberté au fond du cœur. Si on ne se sent pas libre à l'intérieur de soi-même, soi on n'est jamais libre. Alors peut-être faut-il préalablement rappeler euh, les événements qui vous ont conduit en, en prison, puisque euh, bien sûr cette année, euh, nous euh, commémorons les 30 ans de la chute du mur de Berlin, mais également euh, les 30 ans euh, des événements de Tiananmen. Hein. Donc pouvez-vous nous dire où vous étiez 呃、uh,，new，the 就是六四开枪那天晚上，我是在我是在我的家里，因为我是从北京回来的。我是一个无政府主义者，然后就是不不关心政治，就是我那个时候非常讨厌群众运动，是一个我喜欢美国垮掉一代，他们在那个路上流浪、写诗、过一种。 非常浪漫的这么一个生活，但是那天晚上的确是开枪了。我从那个收音机里面听到一些惨叫，人们的奔跑，然后子弹，然后那个坦克的那个轰隆轰隆的声音。当时那天就是就是呃写了一首诗叫《大屠杀》，把它制成了录音磁带，录音磁带，然后这个后来这个磁带就是传播到二十多个城市。 呃，就是许多人，许多人听过这个。当时他们跟我说，如果是当场把我把你给逮住的话，肯定就把你给枪毙了。然后一个月之内把你给抓住，下场也差不多。你幸好是九个月之后，你才落入法网。当时就当时很多诗人和作家，因为因为传播了这个东西而被逮捕。呃，最后呃，最后就。 进了监狱，进了监狱，然后就开始了另外一种生活。进了监狱，第一步，然后就是搜身，全身拔光，拔光，然后呃开始，呃，你就光溜溜在那儿站着，然后让你把屁股给，就是翘起来，翘起来，用那个筷子捅进那个肛门，看里面藏没藏东西。我当时觉得一下子就是这个。 私人的就是以前的这么一个，完全就没有了。你必须要从一个从一个狗开始，从一个狗，然后到一个人。所以说我经常说，那个监狱就是我的大学。嗯，就是就是把我从一个私人变成了一个大屠杀的一个见证者。呃、uh,，e n d a n t la n À Fuling, c'était au Sichuan, c'était dans, dans ma province natale. Euh, en fait, à l'époque, j'étais un vrai anarchiste. Euh, ce que j'aimais, c'était les, les beatniks, euh, les voyages comme ça, un peu fantaisistes, euh, tout seul, euh, solitaire. Et, et je détestais les mouvements de masse. Donc, je ne voulais pas être à Pékin à ce moment-là. Mais euh, ce soir-là, par un, le transistor d'un ami. Euh, j'ai entendu les sons du massacre, j'ai entendu le bruit des tanks qui s'approchaient de la place Tiananmen, et ensuite j'ai entendu la police qui ouvrait le feu, le, le son des mitraillettes, des fusils et les hurlements des gens dans la foule. C'était quelque chose d'indescriptible, et c'est à cette occasion-là que j'ai euh, clamé mon poème Le Grand Massacre. Euh, Quelques mois plus tard, neuf mois plus tard, j'ai été arrêté à cause de ce grand massacre et des cassettes qui avaient été faites et qui avaient été transmises à travers toute la Chine dans une vingtaine de villes. Donc on a, on a ramassé des valises entières de cassettes au moment du jugement. Euh, les gens m'ont dit à ce moment-là, les gens de la prison m'ont dit, si on t'avait arrêté tout de suite après le 4 juin, tu aurais été tabassé à mort. Si on t'avait arrêté un mois plus tard tu aurais été condamné à mort. Là, un peu de temps a passé, tu es condamné à 4 ans, tu t'en tires à bon compte. Mais en même temps que moi, il y a eu d'autres poètes, d'autres écrivains qui ont été arrêtés aussi. Alors, mon entrée dans la prison, ça a été quelque chose d'inimaginable pour moi. Je dirais qu'en l'espace de quelques minutes, j'ai perdu mon identité de poète. Et j'ai endossé une identité de chien. Après, il a fallu remonter la pente. Quand vous arrivez dans la prison, on vous dit de vous déshabiller et vous vous retrouvez nu debout, debout devant des gens qui, qui vous regardent. On m'a dit de me mettre à quatre pattes et on a fait une fouille corporelle dans, dans l'anus avec des baguettes pour pouiller, pour voir si je n'avais rien caché. Et donc ça, ce moment-là... Euh, c'est le moment donc où je suis devenu quelqu'un d'autre et où je peux dire que c'est la prison qui a été la véritable université de ma vie. Alors bien sûr, il y a pour vous, pour le poète vagabond, que vous étiez un avant et un après euh, Tiananmen. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cet événement qui a marqué une, une génération, la vôtre, vous êtes né en 1958, une génération qui a connu l'activisme politique, même si vous, vous, vous ne versiez pas dans cet activisme politique, est-ce qu'aujourd'hui, ces événements sont toujours dans la société chinoise un sujet tabou 这个呃，天安门大屠杀有一个明显的象征，就是那个坦克人，就是永永远是在记录那个中国人，就是从共产党统治以来，就是说那个最大规模，就是最勇敢的一次反抗。这个反抗呢，现在已经成为一个历史。当我在那个柏林墙的时候，一看柏林墙。 我马上就想起那个坦克人，想起天安门的那个一切，然后今天，然后三十年后，香港又在重复这种，重复这种抵抗，而且他那个抵抗的时间非常长。我老是觉得历史它就是在这么一种循环、循环当中，循环当中，如果是呃呃，那么那个作家的责任，作家的职责。 就是首先是记录，第二个就是站在一个历史的这么一个，呃，这么一个转折点，然后就就就呃，那么就是就觉得，我现在就觉得，呃，我不仅是天安门的证证人，而且我也是一个香港人，就是好像是和他们站在一起的，就觉得这个三十年的时间，然后真的就。 Si on veut évoquer Tiananmen, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est ce symbole du jeune homme devant les tanks, celui qu'on a appelé Wang Weilin. Et pourquoi il est devenu le symbole de Tiananmen Parce qu'il représente une forme de résistance incroyablement spectaculaire, ne pas avoir peur de la mort devant les tanks. Et cette année, j'étais devant le mur de Berlin pour commémorer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et donc, il m'est revenu tous ces souvenirs de Tiananmen, parce que je, je voyais un peu euh, cette histoire d'il y a 30 ans, mais aussi euh, je voyais l'histoire du cycle. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, la même chose se passe à Hong Kong. Et c'est aussi une jeunesse idéaliste qui est en train de se battre et aussi devant des gens en armes qui lui tirent dessus. Donc, vous voyez, le rôle de l'écrivain, c'est peut-être d'abord de consigner ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, et puis ensuite euh, d'être là pour observer euh, l'évolution des choses. Mais aujourd'hui, avec Hong Kong, j'ai vraiment l'impression que l'évolution, elle est tout à fait cyclique et qu'on retourne sur le même point. 对香港之所以这样呢，他是从天安门屠杀的那一年，他就年复一年的在纪念这个天安门大屠杀的这些死难者，所以说父亲也告诉儿子，儿子又告告诉更小的那些小孩所以说在香港他他有这种天安门大屠杀这种反抗的记忆，所以说他一直持续到今天，他今天爆发，同样的。 你要保卫民主的这么一个这么一个反抗运动，但是在大陆的情况就是完全相反，它就是一种洗脑，洗脑你那个三十岁以下的年轻人跟很多都不知道，根本就不知道这个天安门大屠杀，所以说你你对比这两地，一个是记忆，一个是遗忘，遗忘了就容易被洗脑。 Et à Hong Kong, ce qui est frappant, euh, c'est que tous les ans, on a commémoré le massacre de Tiananmen. Tous les ans, il y a eu une vigile avec des bougies dans le parc Victoria. Et euh, pour nous, donc, qui sommes du continent et non pas de Hong Kong, euh, c'est particulièrement émouvant parce que la jeunesse chinoise qui a moins de 30 ans, si vous lui parlez de Tiananmen, euh, ils, ils connaissent le nom de la place, mais ils n'ont aucune idée. De ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et ils sont sincèrement ignorants. Parce que le gouvernement a tout fait pour laver le cerveau et la mémoire des Chinois. Alors qu'à Hong Kong, ça a été exactement le contraire. Les grands-pères ont parlé aux pères, les pères ont parlé aux enfants en disant Ce soir, nous devons aller au Parc Victoria pour commémorer les morts des victimes de Tiananmen. Et à travers cette commémoration, ils ont enseigné à leurs enfants. Euh, à quel point la démocratie était précieuse et combien il fallait se, se consacrer à préserver cette démocratie. Et donc, autant en Chine, on a des jeunes au cerveau lavés, autant à Hong Kong, on a des gens qui se souviennent de l'histoire. Oui, parce que vous n'êtes pas tendre avec, effectivement, les jeunes de la société chinoise continentale actuelle. Hein, puisque vous les, vous les dites plus euh, obsédés par euh, l'argent, le fait d'être venu de, de vraies girouettes. Est-ce vraiment le fait qu'ils aient été que leur lavo, que leur cerveau ait été lavé comme euh, l'a proposé euh, mariusman? et euh, 都已经忘记掉了，忘记掉了就容易被洗脑。比如说那个天安门大屠杀那个时候，几乎是每一个人都参与，后来就渐渐就遗忘了。父亲不敢告诉他的儿子，害怕他儿子去闯祸。所以说这个就是已经过去了三十年了，三十年，但是仍然是中国人，仍然还是记得这件事情，只是因为恐惧。 因为就是说，呃，被监控，现在每一个人都感觉到很危险，所以说他这个恐惧就压倒了这个记忆。那个，你比如说我去，呃，那那子弹鸦片的时候，我去采访这些这些暴徒们，想想写一本关于他们的书，结果很多人他不愿意接受这个采访。第一个他觉得没有用，就是这个就是这个现状。 第二个，他就一的确也是觉得自我保护。后来就是我找了很多人，就然后做成这篇采访，还是有十十几个比较勇敢的人，他站出来说出了他们当当时那天晚上那种那种很勇敢的这么一个行为。所以说，一旦有一天这个中国的这个阻阻碍自由的墙被攻破的话，我想中国人知道了这个真真相。 那么也会读到我的《黑暗帝国》和《子弹鸦片》，他们就说那个共产党的意识形态，它自然就会坍塌。这就是我作为一个作家的自信。你要用你的写作和这个独裁对抗，对抗到最后，我从那个时间时间上面就是说几十年之后，他们垮台了，他们就是这些人没有人记得了，但是这个书还会提醒。 Et effectivement, la, la jeunesse de Chine a oublié, mais elle a oublié par force, et c'est justement parce qu'elle a oublié qu'il est facile de leur laver le cerveau, qui en chinois se dit « chine nao » et c'est pas mon expression, c'est la sienne. Et, euh, et donc, et on, les lave, on leur lave facilement le cerveau, ce qui fait qu'ils sont prêts à croire n'importe quelle propagande. Mais en 1989, euh, toute la population a participé au mouvement de, de protestation euh, contre la dictature pour la démocratie. Euh, et ensuite, à cause de la terreur, bien sûr, les parents n'ont plus voulu parler de ça à leurs enfants. Non seulement euh, ils ne leur ont pas raconté, mais ils leur ont dit, ne parle pas politique, parler politique, c'est trop, trop dangereux. Euh, tout le monde était dans la peur. Et tout le monde l'est toujours, d'ailleurs. Maintenant, je dirais même que la peur a probablement monté d'un cran à cause du contrôle systématique qui est possible grâce à l'intelligence artificielle et à toutes ces méthodes de reconnaissance faciale, de contrôle, etc., etc. Donc, dans les années 2005 à peu près, c'est-à-dire au moment où un certain nombre de ceux qu'on appelait les rebelles les, les, les bandits ont été libérés, certains d'entre eux, après 9 ans, 10 ans, 12 ans de prison. Euh, J'ai essayé d'en interviewer quelques-uns. Donc beaucoup ont haussé les épaules en disant Ça sert à rien, qu'est-ce que tu veux savoir, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Euh, D'autres ont refusé carrément en disant J'en ai assez bavé comme ça, je ne vais pas m'y remettre, euh, donc je ne veux pas que tu m'interviews. Et puis une bonne douzaine a accepté de témoigner. D'évoquer cette période, d'évoquer les conditions dans lesquelles eux-mêmes ont fait de la prison et dans les conditions dans lesquelles ils sont revenus dans la société ou essayer de revenir dans la société. Mais, et donc tous ces témoignages, pour moi aussi, c'est très très important pour montrer la, la nature de ce mouvement. Qui a participé Qui était là Et qui a le plus souffert le, le, Les simples Pékinois ont souffert beaucoup plus que les étudiants et puis euh, je pense que c'est important de consigner tout cela parce que tôt ou tard la dictature va s'effondrer tôt ou tard les gens vont pouvoir à nouveau connaître leur passé et dans ce cas là c'est très important qu'ils puissent lire mes livres qu'ils sachent en quelque sorte d'où ils viennent pour pouvoir éviter d'y retourner oui parce que précisément donc dans l'empire des ténèbres et votre témoignage et euh, des balles de l'opium, et sont les témoignages que vous avez recueillis auprès de rebelles, de rebelles comme vous. Et euh, à l'origine de cette volonté de témoignage, il me semble qu'il y a quand même un, un malentendu que vous souhaitez dénoncer dans, dans l'ouvrage, qui est que peut-être dans une perspective occidentale, Tiananmen a été un mouvement d'étudiants, d'intellectuels. Or, précisément, vous expliquez bien que parmi les émeutiers, c'est l'expression, euh, Marie Osman nous dira comment c'est traduit du chinois, du mandarin hein, les émeutiers, vous les appelez, étaient en fait des petits commerçants, euh, des paysans, des ouvriers qui ont apporté leur force et leur soutien à Tiananmen. Et ce sont eux qui ont été les principales victimes du mouvement. Et ça, ce n'est pas forcément une lecture que nous avons ici et que nous faisons souvent. 坦克人王维林，这个这个人是他们的，是我写的这一本书的这些人的一个集体的一个象征。坦坦克人王维林，至今不知道他的真实姓名是什么，然后他就永远就失踪了。他从某一种程度代表了这些人的命运，这些人就集体失踪，不知道这个人到哪个地方去了。后来当我呃，当我去采访他们的时候， 很多人都是第一次接受采采采访，但是当时在当时的话，每一个人几乎都知道是这些市民，成就是上百万的市民，然后站在那个街头，和那个和那个全副武装，就是沿途杀人的开着坦克车的这么一些军人对峙，他们把那个把那个公共公共汽车横起来，设立那个路障。 就像今天的你，香港年轻人干的是干的是一样，结果呢，那个军队就是在沿途杀了很多人。进入天安门的时候，他们在最起码就延缓了五六个小时。如果他们提前进入了天安门，肯定天安门的学生一个都跑不掉，就是那个全部都杀光了。正是因为这些市民用他们的生命。 去去阻挡了这些坦克进城，所以说那个天安门的这些学生才能够撤离。但是，但是这些当然是一种真相，但是真相就是很容易，很容易就被忘记。Alors pour revenir à Wang Weilin, ce ce monsieur qui se tient debout devant les tanks,、euh, je dirais qu'il est un peu le symbole. De ce groupe d'individus dont on ne connaît pas les noms. En effet, euh, Wang Weilin est un nom qu'on a inventé. On, on, on ne sait pas qui il était. Et surtout, après son geste de bravoure, il a totalement disparu. J'ai interviewé beaucoup de prisonniers. Personne n'avait jamais vu ni entendu parler d'un Wang Weilin en prison, ni ailleurs d'ailleurs. Euh, et donc. Euh, Parmi tous ceux que j'ai interviewés, donc qui représentent un peu ces anonymes qui se sont dressés contre les tanks, eh bien, euh, eux, en tout cas, se souviennent très bien de la façon dont ils ont, par exemple, renversé des autobus pour bloquer le passage à l'armée et surtout bloquer le passage des tanks. Comment se, la foule s'est massée pour essayer d'éviter l'avancée des soldats vers la place Tiananmen. Et je crois que à travers leurs gestes ils, sont fait, ils ont fait gagner peut être cinq ou six heures de temps à ceux qui se trouvaient encore sur la place tiananmen et donc notamment les étudiants et certains professeurs et ils leur ont donné ce temps supplémentaire pour évacuer la place. donc on peut dire que par leur résistance de tous ces gens inconnus enfin sans nom eh bien les étudiants euh, sont morts en nombre beaucoup moins inférieur que cela aurait été si les temps étaient arrivés lorsque la place était encore remplie d'étudiants. À ce titre, vous évoquiez Hong Kong euh, tout à l'heure et euh, comment pensez-vous qu'une sortie de crise soit possible Êtes-vous confiant Êtes-vous inquiet pour euh, ce qui est en train de se passer actuellement à Hong Kong 嗯，我当然是非常的担心，担心这个就是说，那个香港，如果是共产党把那个香港整个就是这这这个要求民主自由的这么一个给扑灭了，那么他就是他的帝国的一个扩张的野心就实现了第一步，下一步可能就是台湾，台湾下下一步再下一步就会威胁到日日本。 那么他就是，进而他可以传传出整个亚洲的民族，那那那整个世界自由世界的价值观，他会，他会受到那个威胁，最后他他还会造成大量的那个人道那个移民，就像那个六四一样，很多人跑到海外，而但是那个香港，他因为他是一个城市在抵抗，所以说他抓的人会更多，然后这些人会还是会。 逃亡，那么就说那个由此而造造成的，呃，就就算是个一两百万，进而如果是台湾的话，台湾的那个就是难民再造成个几几百万，那整个自由世界是承受不了的。所以现在是，如果说西方世界都支持香港，迫使中国共产党让步的话，那么就说我觉得这个是一个非常好的一个结果。 那么就是最后，这个帝国它会崩溃。中国人是会在自己的土地上实现民主，就是说哪怕就是分裂，分裂成几十个国家，然后实现民主。实现民主这，这这这个是对于西方来说，我觉得是一个，呃现在正是全力支持他们，也是为了你们自己的时候。 Je suis extrêmement inquiet pour ce qui arrive à Hong Kong en ce moment. Euh, on ne peut pas dire aujourd'hui quelle sera la, la conclusion de cette affaire, mais ce qu'on peut dire, c'est que si le Parti communiste chinois parvient à écraser la revendication de démocratie que manifestent les jeunes à, à Hong Kong en ce moment, alors euh, pour Hong Kong, c'est fini. Il, il, il sera euh, complètement absorbé par la Grande Chine. Et, mais la Chine ne s'arrêtera pas là. À ce moment-là, elle voudra récupérer Taïwan. Et elle va commencer à faire des, des, des manœuvres en direction de Taïwan. Et elle y arrivera, tôt ou tard. Et une fois qu'elle aura récupéré Taïwan, elle va faire des manœuvres vers le Japon, vers les autres pays d'Asie du Sud-Est. Mais son but, surtout, euh, c'est d'imposer son mode de fonctionnement, sa vision du monde, à l'Asie du Sud-Est, à l'Asie et ensuite au monde tout entier. Mais imaginez un peu l'impact que pourrait avoir euh, cette, ce déroulement à Hong Kong. Hong Kong n'est qu'une ville, donc vous aurez peut-être quelques dizaines ou centaines de milliers d'émigrés qui vont se précipiter, comme en 1989, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émigrés qui ont quitté la Chine euh, dans, dans une situation de très grand affolement. Mais Taïwan, c'est un pays. Euh, Taiwan, ce sera pire. Donc, euh, si l'Occident, aujourd'hui, ne se réveille pas pour soutenir massivement, à travers des déclarations ou à travers des aides particulières, euh, les Hongkongais qui sont en train de se battre pour les valeurs universelles, ce sont les valeurs de l'Occident qui sont en train de défendre et ils sont en train de nous montrer qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'une dictature veut vous avaler tout cru. Donc, euh, on le voit bien, ils demandent que euh, le gouvernement, l'exécutif de Hong Kong réponde à leurs cinq revendications. Impossibilité d'entrer dans le dialogue. Ils ne comprennent que la violence. Donc, on étouffe tout ça par la violence. Et pour moi, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comme vous avez posé la question Mon rêve, c'est que la victoire de Hong Kong amène le morcellement de la Chine. Hong Kong devienne indépendant. Et ensuite, la Chine éclate en 12 pays indépendants, par exemple. Et là, euh, ces 12 pays ne représenteraient plus une menace pour le monde. Euh, à ce titre, euh, vous vivez actuellement à, à Berlin. Quelle lecture faites-vous de la de la commémoration de la chute du mur de, de, de Berlin, des 30, du 30e anniversaire. Vous êtes très euh, euh, gentil, aimable avec les Occidentaux, puisque vous dites qu'ils prennent la peine de s'intéresser à vous et à des parcours comme le vôtre, et à lire des livres que des gens comme vous peuvent, peuvent, peuvent écrire. Euh, Trouvez-vous qu'ils ont un rôle aujourd'hui suffisamment...

这些就是让我有很多的读者，很多的听众。就是那个我作呃，尽我一个作家的本分，告诉这个事情的严重性。就是说，比如说关于香港，我觉得是一场新的冷战。当时那个西柏林被也是被包围。我说你们想象一下，当时西柏林如果被拿下的话，会是一个什么样的状况？ 肯定是整个社会，整个那个呃人类就陷入一片黑暗。但是幸好是事实是相反。今天的这香港的状况也是一样，也是一样结果就是德国那边还是有许多人他能够理解。至于他做什么，那那是他们，我觉得是每一个人他在他自己的事情。作家的本分就是说那个我已经把那个。 话把那个书就是已经写了，写了就是说那个，他至于他怎么他他怎么了解他是他的事，但是唯有一点就是这些政治家应该负起他们的责任，呃，那个就是如果他们不愿意负起责任的话，民众应该促使他们负起责任。比如说，你可以和中国做生意，但是你同时。 你要就是发出大声的呼吁，坚决的态度。你说香港这个是，呃，香港你们不能够这么干，你要表示这么一个明确的这么一个态度。但是可惜，这个欧洲这些政治家都非常短见，他们至今已经抵抗了五个多月，他们至今没有怎么说话，而且还在和刽子手这么密切的做这个生意。 这个就是我是、呃、理解不了，这个毕竟是经过一个民主选举，选举这些人出来的，出来就是政治家的一个功能，就是说话，就是对这个世界发言的。至今他们不发言，这个。 Euh, d'être libre d'écrire. Euh, et et j'ai la conscience que c'est parce que j'ai la liberté dans ma tête que je peux faire tout ça aussi. Et j'ai aussi la conscience que d'autres personnes n'ont pas cette même liberté dans leur tête. Et je suis devenue modeste dans mes exigences. Je ne pense pas qu'on puisse exiger trop des autres. C'est aussi ce que me conseillait le moine qui m'a appris la flûte. Euh, avec ma plume, j'ai dénoncé le retour de la guerre froide à Hong Kong avec ses, 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 le, le matraquage contre ces jeunes, ses, ses jeunes manifestants, ces jeunes combattants pour la démocratie. Imaginez un peu l'équivalent. Si, il y a 30 ans, ce n'était pas le mur de Berlin qui s'était écroulé de l'Est vers l'Ouest, mais de l'Ouest vers l'Est. C'est-à-dire que l'Est aurait avalé. Berlin-Ouest, eh bien, Berlin-Ouest aujourd'hui serait une ville toute grise, toute froide, sans liberté, sans créativité, sans rien. On est un peu en train de voir ça à Hong Kong. Euh, Hong Kong, qui est, qui est extrêmement euh, euh, vivant, extrêmement actif, euh, risque de sombrer dans cette bureaucratie communiste. Et, et donc, c'est terrifiant. Euh, Chacun doit jouer son rôle. Moi, j'ai écrit mes livres, je témoigne. Mais les politiques, les politiques, ils sont là pour parler, c'est ça leur rôle. Ils doivent faire des discours, ils doivent être responsables. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire du business avec la Chine. Évidemment, il faut faire du business avec la Chine. Mais en même temps, les politiques peuvent dire, Hong Kong, c'est touche. Vous ne pouvez pas vous attaquer à Hong Kong. Ce serait la moindre des choses, mais j'ai l'impression que les politiciens de l'Union européenne en particulier sont complètement myopes, tellement obsédés par leur désir de faire du commerce avec la Chine qu'ils n'osent plus rien dire d'autre. Alors, vous, êtes, vous appartenez aujourd'hui à la grande famille des, des dissidents. À ce titre, on fait souvent le, le, le parallèle avec Solzhenitsyn, surtout que donc vous. Vos livres resteront comme des témoignages, effectivement, de l'expérience de la prison, du Laogai, au même titre que l'archipel du Goulag fera témoignage de cette période-là. Est-ce que vous avez l'espoir intime, comme ce fut le cas pour Sojenitsyn, de revenir dans une Chine continentale, alors peut-être explosée en 12 provinces, comme vous l'avez indiqué puisque Solzhenitsyn est revenu 20 ans après, 20 ans après avoir quitté la Russie, à l'âge de 76 ans, en 1994, il est revenu en Russie, ce qui n'était plus l'Union soviétique depuis quelques années. Est-ce que c'est encore votre espoir de revenir en Chine continentale 呃，走上了那个作家的道路，所以说我就觉得，在中国，特别是在独裁之下，就是做一个作家，首先他要他要坐过牢，他要离过婚，他要被那些国家的那些单位他开除过，就是三个条件。如果说你这个三个条件不具备，我觉得不能够做一个作家。所以说我刚好是刚好是三个证件都齐全。 我又有劳改，呃，我又有那个监狱的释放证，又有离婚证，还有还还有一个单位把我给开除掉的这么一个证明，所以说我就是呃呃那么做做一个作家，我完全是合格。那么就是对于这个作家，而且我是一个四川人在做就作家，不是一个中国人，可能是北京那边，呃他看问题的方法和我们四川人就是不一样。 我经常在说，如果是呃，我们四川人能够是分裂成一个单独的国家，呃，让我们来选总统，因为我们可能会选一个川菜厨师，因为川菜厨师他是全世界都有名，我们就是往呃做做这个厨师的是、呃、贸易，我们向向国外派出我们的那个厨师代表团，都能够挣很多呃。 钱回来，然后那个中国一大半的就是烈性酒，烈性酒都是都是四川人造的，而且在全国就是非常有名。我们也可以选一个非常会品酒的酒鬼来当我们的总统，就是因为那个酒鬼一边一个好的酒鬼，他的性格他都比较随和，他都比较随和，他都善于。 和大家呃打交打这个交道，现在你们看起来那个就是坐在北京的另外一个北京国的那个那个习近平，完全跟我们四川人性格不一样。而且那个四川人面对苦难，就是你可以通过我的黑暗帝国，他都是有些幽默，他就是幽默，用一种很幽默的这个态度，有时候来对待非常骇人听闻的一个苦难。 而且那个四川人的反抗精神，你在那个天安门大屠杀那个时候，可能许多人不知道。第二个闹得最凶的就是成都，就是我的家乡。那个时候他们好像老百姓少了烧了七十多辆车，就是北京镇压下去，呃，六月五号、六月六号，成都那边还在反抗，就是。所以说,说，具备这些特点的话。 Euh euh ,完全是 Alors, moi je suis Sichuanais, je ne suis pas chinois. Les Pékinois et nous, c'est pas pareil. Si un jour on a le Sichuan comme pays indépendant, je pense qu'on aura plutôt tendance à élire un cuisinier parce que la cuisine de Sichuan est très célèbre. Et alors, au lieu d'envoyer des délégations très sévères, on enverrait des délégations de cuisiniers. Ça nous rapporterait beaucoup d'argent. Alors, l'alternative, ce serait d'élire un amateur de vin. Parce qu'au Sichuan, on fait un vin très très fort qui est très apprécié par toute la Chine. Et en plus, les ivrognes, ils ont un caractère affable. Ils sont sociables. Euh, ils savent parler aux autres. L'humour des Sichuanais est terrible il résiste à l'oppression, il résiste à la torture. Il faut savoir qu'à Chengdu, on a été puni presque aussi violemment qu'à Pékin. À Chengdu, on a brûlé 70 camions durant la nuit du 3 au 4 et la rébellion a continué encore les 5 et 6 juin et après, il y a eu des exécutions capitales, des arrestations euh, en masse. Donc euh, le caractère des gens du Sichuan est, est très fort et aussi très différent. Est ce qu'on peut, qu peut vous demander si vous avez à nouveau le cœur à écrire des poèmes? Je rappelle que c'est un poème qui vous a conduit en, en prison et pendant donc plusieurs années maintenant, vous avez estimé que votre tâche était de témoigner et le moteur de votre création était le témoignage. Aujourd'hui, avez vous retrouvé le cœur pour écrire des poèmes ou, ou de la fiction? 我刚才其实呃描绘的这个，呃我的家乡的未来，其实其实就是在写诗了，就说我还就是说我还可以延伸，就是说，你们的马克龙要在要在中国去做生意，他选择性很大，而且他如果是北京的习近平对他态度不好，他可以和四川做生意，他就对对对生意人也很好。 所以说那个四川人，而且那个，呃，对那个弱者，他很那个，就是他很同情。比如我这个就是本能的，我就非常的同情香港的这些。就是，而且就是有一首诗，我又写了一首长诗，这首可以和，呃，我觉得他的那个，他的厉害的程度也不亚于我的那个大屠杀。 En fait, euh, pendant que je vous exprime euh, l'avenir de mon pays natal, euh, je suis en train de faire de la poésie. On pourrait aller plus loin, on pourrait imaginer Macron qui se promène en Chine. Qui bavarde avec Xi Jinping et Xi Jinping est tellement désagréable qu'il quitte Pékin pour venir nous voir au Sichuan. <laughs> c'est de la fiction, hélas. Mais pour ce qui est de la poésie, euh, vous vous trompez. Euh, j'ai écrit un poème il y a très peu de temps et d'ailleurs c'est Marie qui l'a traduit et c'est paru dans Libé la semaine dernière. Mmh. Et donc euh, ce poème, euh, je pense qu'il est finalement aussi terrible que celui que j'ai écrit pour massacre. Euh, pour le 4 juin, parce que ce poème euh, évoque le retour de la Chine sur Hong Kong. Et, et c'est un poème qui m'a bouleversé moi-même, parce que j'étais bouleversé de ce qui était en train de se passer, et peut-être que c'est la, la poésie qui exprime cela le mieux. Donc on doit applaudir vraiment votre, votre force de, de création, parce qu'à lire quand même certains des portraits que vous faites, des. Des, de vos contemporains, quand ils ont été saisis par ces vagues d'arrestations, la prison, euh, certains parmi les plus créatifs, je pense notamment à un peintre dont vous faites le portrait, a complètement cessé de peindre, puisqu'il n'arrivait plus qu'à peindre des tanks qui écrasaient des gens et à mettre du rouge sur sa toile. Euh... 采访这些人，就是我采访的第一个，就是这个画家，就是他是这些六世暴徒当中最有，我觉得是最有血性的这么一个人。呃，总之没有他也就、呃、没有，没有这么一呃一本书。其实我跟他谈的还有很多，后来我跟他成为朋友，然后又讲那个监狱里面的性性问题。 他说：“这些人你还不知道，你你他说你可能知道，这些监狱里面出来的人，可能都是呃，就是性性压抑，然后性无能，然后最终就是那个就是阳痿，阳阳痿要阳痿很多年。他说况且我们都是一个就是二十来岁的小伙子进去的，一下子性压抑就压抑了这么多年，然后就是跟着这个就是这么一，他说不仅是。” 就是那个身份上让人瞧不起，而且就是就是做男人的这男人这个角度也叫人那个瞧不起，啊，然然后我说你这个，那那怎么样解决的？他说是你说，比比如有一个人，有有一个监狱，他刚刚放出来，大家为了帮助他，然后就带着他去找小姐，找小姐让他恢复这个男人的这么一个一些能力。 然后他就带到一个地方去，一个三陪小姐，一个法郎，大家都呃，大家给他凑钱，凑钱，然后他就进去了。进去了，进去，呃，然后那个那个小姐呢，也对他尽心尽力，又是又是给他按摩，又是怎么样。但是他他他那个还是不行，还是不行，他一下就哭起来了。后来就是那个小姐问他为什么哭，他说是。 大家挣钱都不容易啊，大说是那个，嗯、呃，然后这些钱都是都是一坐牢的朋友，这些哥们儿凑起来的，凑起来的，然后我又这么没有出息，这不是又浪费钱嘛？当当当时，我当时听到这些，就是、说就既觉得有点儿好笑，但是又觉得就是更多的是心酸，就是这个，嗯、呃，因为这些人曾经挡坦克，曾经烧军车，曾经他们是英雄啊。 英雄落到这么一个很不堪的这么一个地步，当然就是这些人的才，将我刚才说的一些，不能够放到他们每一个人的采访当中，因为这个可可能就是他们觉得那个没有脸面。但是我前面的那一篇写，写了写了还是写了大量的这种这么一个现象。嗯 Euh, c'est vrai, vous avez raison de, de citer ce, ce peintre, Oudjidian, parce que c'est lui que j'ai interviewé en premier parmi mes, 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 mes personnages. Et, et je dirais que sans lui, peut-être que ce livre n'aurait pas existé, parce que c'est lui aussi qui m'a présenté à d'autres prisonniers qui étaient sortis depuis peu de, de prison. Euh, alors, bien sûr, entre nous, nous avons parlé de... De, de ces périodes de, de répression, de prison, etc. Euh, mais il m'a aussi raconté euh, les problèmes particuliers pour ces hommes, dont certains sont rentrés en prison à à peine 20 ans, quelquefois même moins de 20 ans, et qui ont passé 10 ans euh, dans une très grande frustration sexuelle. Et donc, en sortant de la prison, euh, ces hommes qui ne représentaient plus rien, puisque. Ils étaient pauvres, ils avaient un passé négatif, comme on dit en Chine. Euh, ils n'étaient plus acceptés par leur famille ou très mal acceptés par leur famille. Et en plus, ils n'osaient pas s'approcher des jeunes femmes. Et quand ils s'approchaient des jeunes femmes, en général, c'était un désastre. Et donc, ces femmes se, les méprisaient aussi. Enfin, bref, c'était un cercle vicieux euh, infernal. Euh, et donc, euh, ce, ce Wu Zhudian m'a parlé d'un cas, d'un jeune homme euh, qui était tellement. Euh, pitoyable, tellement frustré, tellement tout ça, qu'ils se sont collectés, ils ont collecté de l'argent pour lui permettre d'aller voir les petites femmes euh, dans une maison close. Et euh, donc ces petites femmes ont fait tout ce qu'elles ont pu, elles l'ont massé, elles l'ont câliné, elles ont ceci, cela, mais rien à faire. Donc il a commencé à pleurer et elles lui ont dit Mais pourquoi tu pleures ben, Imagine, mes amis, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont collecté cet argent pour moi et tout ça pour rien. Alors bien sûr, quand je pense à ça, je trouve que c'est une histoire drôle, mais en même temps c'est une histoire pathétique, parce que ces gens-là qui au départ étaient des héros, qui se dressaient contre la dictature, qui sacrifiaient leur vie, qui étaient pleins d'ardeur, sont devenus des êtres pitoyables sur toute la ligne. Alors ça, c'est en effet un, un aspect que les lecteurs découvriront en prenant connaissance, en lisant vos ouvrages. C'est que, au delà de ce, de ce pathétisme et de, de l'horreur que vous exprimez, vous, vous parvenez toujours par votre langue et la façon dont elle a été traduite à euh, donner une, à votre écriture un pouvoir d'évocation très fort. À souligner les moments, euh, y compris dans les plus difficiles, les moments euh, qui vous ramènent à la vie, qui euh, vous ramènent à, à, à l'émerveillement. Et euh, est-ce que vous tenez ça, de ce goût de votre père qui euh, a enseigné euh, euh, la littérature euh, chinoise, ce qui déjà à l'époque lui a valu euh, euh, des difficultés. 嗯，我的，因为我呃，我五八年生的，然后六零年就差点被饿死了，因为中国发生了大饥荒，可能有个四千万人是被是被饿死。我当时就是呃，就是已经饿得奄奄一息，然后呢，就是我自己还记得，我母亲就是。 把我架在一口大锅上，他就是，他就是一个中医给他出的一个方子，然后把我架在这一口锅，然后用那个，下面就烧火，放了很多中药来熏，然后让我那个消肿，消肿，所以说呢，就造成了我就是，呃，第一就是呃走路走路成问题，第二个就是说话就是比较迟钝。 迟钝了，然后我父亲为了就是让我成为一个正常的一个儿童，他的方法就是一个很高的一个桌子，把我放在那个桌子上，让我就是背那些呃古代的这些东西，古代的文章、古代的诗词。一个小小孩啥都不懂，就是然后，但是你也不不不敢跳下来逃跑，就这么就是整了大概有个两年、两三年的时间。 就爆发文化大革命，文化大革命就完全失学了，就是这个。嗯，后来我觉得是那个时候，把这个脑子给脑子给弄坏了，我觉得是，弄坏了的那个结果就是，我就是考了四次大学我都没考上，因为我一上考场就是一片空白。我爸又是一个很优秀的古文教师。 他就是生怕别人问他，就是你儿子考得怎么样？看到同事来了，他就要绕道走。就是就是，后来就是我觉得的，我觉得我爸是对我特别特别的失望。直到我后来成为一个作家，我才体会得到我我爸爸的这么一些好处。因为我不知不觉的会用一些幽默，会用一些那个。 呃、嗯，对苦难的这么一些态度，而且、呃、有,有些古代的白话文的影子，就是比如说红楼梦的那那些影子我喜欢用那个古代白话文的这么一些句式。Alors, qu'est-ce qui a fait de moi un écrivain?、Uh, je suis né en 1958 et en 1960, c'est la grande famine en Chine. À peu près 40 millions de Chinois sont morts dans cette grande famine. Et à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus mort que vif. Euh, ma mère s'apprêtait à m'abandonner dans un panier sur le long du chemin. Mais euh, un médecin traditionnel lui a dit Non, il y a un remède. Et alors, il fallait faire bouillir des herbes de la médecine chinoise dans une grande marmite et le placer dans un, un panier en osier au-dessus de cette marmite, dans les vapeurs de ces herbes traditionnelles. Et donc j'ai été en quelque sorte fumée au feu pendant quelques semaines. Euh, il paraît que j'ai sué un liquide affreux, mais je me suis remis. Mais à cause de ça, je pense que mon cerveau a été quand même touché, et j'ai marché très très tard, et je parlais très très mal. Alors mon père, qui voulait pas que je devienne un arriéré ou un attardé mental, a décidé de m'accorder une plus grande attention pour mon éducation. Et il avait un truc. Euh, il y a en Chine des tables qui sont très hautes, qui sont pratiquement à hauteur d'un homme debout. Et donc, euh, on, il me plaçait sur une de ces tables. Et pour moi, évidemment, qui était tout petit, j'avais 4-5 ans, euh, c'était immense. Donc j'avais très peur de tomber. Et il me disait :« Tu ne descendras pas de ta table avant d'avoir appris le poème par cœur. » Donc évidemment, je pleurais, je détestais mon père et tout ça et tout ça, mais euh, j'avais pas le choix. Quoi. Donc euh, j'apprenais mes poèmes par cœur <laughs> tant bien que mal. Euh moi, j'avais l'impression qu'il m'avait complètement brûlé la cervelle, franchement. Euh, et d'ailleurs, euh, au moment de se présenter aux examens de l'université, donc à la fin du lycée, euh, j'ai connu 40 échecs. Donc quand j'arrivais pour l'examen, ma tête était vide. Donc je répondais rien. Et mon père était tellement honteux que quand on croisait des gens là, dans la rue, il faisait un grand détour parce que les gens allaient dire, alors, ton fils, il a eu combien à l'examen quand même pas dire qu'il avait eu zéro. Euh, donc c'est que beaucoup beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à devenir un vrai écrivain, euh, que je me suis rendu compte que dans mon style, euh, il ressortait des tournures qui venaient de la littérature classique, comme par exemple le rêve du pavillon rouge, euh, dans lequel on peut trouver beaucoup de formules humoristiques. Et, et c'est là que j'ai compris que mon père, oui, finalement, m'avait bien apporté quelque chose. Bien, comme annoncé, nous allons terminer cette rencontre en musique.